Salut tous, c'est Limias dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve Chuchu s'est fait voler toutes ses voitures. Voilà, il s'est fait voler toutes ses voitures de collection. On rappelle que Chuchu est un enfant riche hein, qui n'a pas de limite d'argent. Et du coup aujourd'hui malheureusement il s'est fait voler 5 voitures. Voilà, si ce n'est plus. Et on va aller les récupérer. Puisque le pire dans tout ça, c'est que c'est des gars de sa classe qui vont voler. Et encore pire, c'est que c'est des gars de son école. Donc nous, ce qu'on va faire, il est très énervé, moi je suis très énervé. On va aller chercher, let's go, abonnez-vous, pouce bleu. Ok, on est avec Chuchu les gars. Bonsoir, il y a du monde à la maison. Apparemment, mon père il a ramené du monde à la maison. Oh là là, la télé. Bon, en tout cas, on est dans une des maisons de Chuchu. Donc rappelle que Chuchu a aussi une maison près de la base militaire. Là en l'occurrence, pour le coup, ils lui ont tout volé. Sauf deux véhicules, on va aller les voir, les gars. Wow, c'est trop beau. Je kiffe sa maison. Elle est vraiment magnifique. On peut vraiment tout faire. Bon, c'est une maison vraiment moderne. On va aller dans le garage, donc dans le garage de, dans son garage à lui. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, bon, déjà on a un mécano, ça c'est plutôt pas mal. Et il y a deux voitures à moi. Enfin, à mon père et deux voitures à moi. D'ailleurs, quand ils ont volé les voitures, ils ont oublié de bien ranger ma moto. Et ça, je peux vous dire, c'est pas mal. Alors, donc, j'ai entendu dire que, d'après la police, on a fait une petite enquête, ils auraient, du coup, volé toutes nos voitures. Oh, je suis très énervé, c'est Chuchu, regardez, c'est moi qui vous parle. On va aller les chercher, les gars, et croyez-moi que c'est chaud. Et apparemment, dernièrement, eh bien, le dernier véhicule qui a été vu, c'est à la fête foraine. Donc, on va aller voir ce que ça donne. A chaque fois, on a des informations, donc là, fête foraine. Ok, on est actuellement à la fête foraine et on va aller chercher notre Ferrari, hein, parce que j'ai une Ferrari. Ok, donc déjà ici, il n'y a personne. Sur la ligne, il va y avoir personne. Par contre, il y a vraiment du monde. Dès que vous voyez un enfant, il faut tout de suite y aller. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite voiture, donc on peut se promener tranquille. Alors, where are you? Where are you? Where are you? Ok, oh, c'est une fille qui a volé ma voiture. D'accord, c'est une meuf qui a volé ma voiture. Alors comme ça tu voles ma voiture. Alors comme ça tu voles ma voiture. C'est ma fucking voiture. Tu voles pas ma voiture. Ok, bon je vais pas la frapper, je vais pas la tuer. Bon je pense qu'elle est KO. Oh là 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 là, regardez-moi cette magnifique Ferrari les gars. Oh, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle, magnifique. Mais what it... Mais attends, mais j'avais oublié à quel point ma collection était magnifique. Hein. Je veux dire, là, Jules est très content. Et croyez-moi que c'est pas mal. Bon, première trouvaille, on est bon. On a récupéré notre Ferrari. Oh là là, mais c'est trop. Cette Ferrari, c'est beaucoup trop. Wow, what the fuck. Bon, au niveau de la tenue de route, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, elle est belle. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, les gars. Alors, on va se mettre au soleil. Wow, non mais regardez-moi ça, c'est un bijou. Donc voilà, c'est notre première voiture. Ok, c'est parti. Alors, donc là on a eu un appel de l'école, apparemment, il serait devant. Elle m'a dit qu'ils étaient plusieurs, donc on va voir ce que ça donne. Ok, what the fuck, what is this shit? Ah oui, d'accord, c'est un gang de bébés qui a osé voler ma voiture. Eh les gars, moi je suis riche, vous savez, j'ai aucune limite. Comment ça, vous voulez ma voiture? Comment ça? En plus, mon carte. Mon carte. Alors, apparemment, qu'il y a un bébé qui est là, qui est posé. On va entamer les discussions. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, là, ils sont 6 retournés. On va entamer les discussions, messieurs, d'accord? Donc, d'où tu voles? Bon, je sais pas si on peut discuter avec un bébé. En vrai, je pense que... Je sais pas si on peut discuter avec un bébé. Ils font rien. Oh, ils sont pas là très agressifs ces bébés. Et si tout simplement je reprends ma voiture comme ça les gars, hein? Tout simplement. Let's go. Oh là là, je kiffe mon supercar. What the fuck? Mais what is this shit? Alors, pour le coup, mon père m'a dit faut que tu récupères tes voitures, c'est une surprise et tout. Et honnêtement, incroyable. Ce kart il est trop beau déjà. Il est vraiment beau par derrière et surtout il est rapide quand même pour un kart. Il bombarde. Il a une bonne tenue de route je trouve. Et franchement pour un kart il a vraiment une bonne tenue de route. Oh, je suis choqué. Comment ça il a une tenue de route? Waouh, ok.
Oui, mais moi j'étais pas prêt à ça, les gars. D'accord, ok. Bon, il a une bonne tenue de route. En tout cas, il est vraiment sympathique. On va aller le ranger. Et c'est parti, rangeons-le dans le garage, les gars. C'est stylé comme. Eh, j'ai un garage. Je peux mettre 1 million de voitures, quoi. Ouh, c'est vrai qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a ça. Donc, je vais la mettre là. Mais tiens, d'ailleurs, je vais prendre la moto, tiens. J'en ai marre de prendre la motocross. Je vais prendre ma petite moto là. Elle est pas mal. Bon. On est reparti pour le troisième véhicule. Eh bien, c'est parti pour le troisième véhicule. Juju, apparemment. Bon, je rappelle que je suis dans une école de riches. Donc là, ils m'ont juste dit qu'il était garé devant. Ah, oh, mais il y a deux personnes. Trois personnes. Bon, je vais faire comme si j'étais un petit enfant. Oh là là, mais ils sont pas. Un, deux, ils sont six en fait. Je vais faire comme si je changeais de véhicule, les gars. Fuck you. Et je suis un enfant, moi. Comment ça, fuck you? Oh, mais je suis un enfant. Ils appellent la police? Ils ont vraiment appelé la police, ils sont partis en courant là, alors que je suis un enfant. Ah, il a dit que le corps était beau, je crois. Je sais pas ce qu'il a dit exactement. What is this shit? Ah oui, j'avais oublié à quel point il était pas stable ce véhicule. Troisième véhicule de Juju. Magnifique aussi. Ford Mustang en mini. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, quand t'es enfant, t'as le choix d'avoir des mini véhicules. Et là, il est vraiment mini. Regardez, comparé à une voiture. Je vais mettre à côté hein, pour vous voyez la différence. Regardez la différence de taille. What the fuck? La différence de taille, c'est abusé. C'est une petite Mustang. Voilà, c'est une bébé Mustang. En tout cas. Oh, ça roule, hein. Il y avait une Mustang verte. Bon, en tout cas, nous allons aller ramener ça, eh bien, à la maison. Ok, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir, papa. Je te ramène ma trop. Ouais, véhicule. Alors, on va la mettre là. Sans dégommer les voitures. Incroyable. On est, pour le coup, on est vraiment bien, là. Là, pour le coup, on est équipé. Bon, par contre, celle-là, elle est un petit peu mal garée. Je vais un petit peu bien l'avancer. Voilà. En plus, là, il y a le soleil qui me tape dessus. Alors, je rappelle que c'est une Féfé, les gars. Là, on est sur une Ferrari. Là, on est sur une Mustang. Et là, c'est un Nagasaki. C'est plutôt pas mal. C'est parti pour le quatrième véhicule. Et les gars, dernier véhicule. Alors, malheureusement, on est tombé sur un enfant de Ballas. Donc là, c'est-à-dire que c'est des Ballas. C'est un gang. Donc, ok, d'accord. Ah ouais, ça veut la jouer comme ça. Je peux être très énervé. Alors on va voir, on va prendre mon téléphone, on va voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Ok. Alors là, honnêtement, ça va être tendu. Ça va être tendu, il y a des ballasses. Je sais pas comment je vais faire. On va y aller. Comment? Comment on peut faire là? Comment on peut faire? Il y a 4 ballasts, je sais pas combien de ballasts. Ok. Juju, n'oubliez pas qu'il a un truc. Il a ça, Juju. Il a son gun. Faut pas qu'on fasse du mal. Faut pas qu'on tue. Donc ce qu'on peut faire, on va envoyer une petite onde pour voir ce que ça donne. Ok. Il fuit. Vous dégagez de mon voiture. Allez hop, vous dégagez. Wow, comment il a volé les gars. Wow, comment il a volé. What is this shit? Comment ça vous prenez ma voiture? Mais comment ça vous prenez ma voiture? Oh, le bébé est bon. Le bébé n'est pas mort. En plus, c'est encore un bébé, un enfant de Palace qui me l'a pris. Et on récupère notre mini Formule 1. Magnifique les gars. Bon, ce qui est bien, c'était juste à côté en fait de la maison. Alors attendez, la maison elle est juste là. What? C'est juste à côté. D'accord, en fait les gars ils volent des trucs à côté de chez moi. Ils vont au parc au calme. Comment ça vous volez ma Formule 1? Mais comment ça? Attendez, je veux dire moi en tant qu'enfant riche, croyez-moi que c'est pas plaisant. Ok. Eh bien,
Les gars, c'était le dernier véhicule. Wow, j'ai shooté le mécano. Il est pas mort, c'est bon. C'était le dernier véhicule. Il se remet au travail direct, hein, le mécano. Regardez-moi ce bijou. Oh là 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 là, la Formule 1. Je vous remonte les véhicules. La Mustang. Bon, le mécano va les réparer, vous inquiétez pas. La Nagasaki Kart. Et surtout, ma préférée, la Ferrari. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré entre 1, 2, 3, 4, entre la Ferrari, la Formule 1, le kart ou simplement la Mustang. À vous de voter dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez voter, je rappelle encore une fois, Mustang, Ferrari, kart ou la Formule 1. Vous avez le choix entre les 4. Sur ce, abonnez-vous, pouce bleu, ciao.